Oui, le sport, c'est aussi parfois le drame. Et la récente Transat nous en fournit un dur exemple. Bilan aujourd'hui, 6 disparus. Parmi ces disparus, une quasi-certitude depuis ce matin, l'anglais Mike McMullen est mort. On a retrouvé une épave jaune, pas très loin de la Nouvelle-Écosse, coque en l'air, qui devrait être celle de son trimaran. Depuis le 5 juin, jour du départ de la course en solitaire, on n'avait plus de ses nouvelles. Et ses amis craignaient le pire, car derrière McMullen, il y avait, au départ de la Transat, un drame personnel. C'était le 5 juin, 12h. Trois coques jaunes pour un bateau de 14 mètres. Trois jours plus tôt, la plus grande tristesse s'abattait sur McMullen. Alors qu'il ponçait son trimaran en compagnie de sa femme, une perceuse électrique tombait sur le quai, Elisabeth la ramassait, tuée sur le coup, électrocutée. Je ne pars pas pour gagner, mais pour oublier. Au revoir, merci. Ces dernières paroles. Les organisateurs de la transatlantique estiment peu probable que l'épave jaune repérée soit celle de McMullen. Un seul trimaran a disparu. Seul un trimaran peut rester coque en l'air, un bateau classique coule ou se redresse. Aujourd'hui, Mike McMullen est mort. Cinq autres ne sont jamais arrivés. Le Canadien Mike Flanagan sur Galloping Gael, son bateau a été retrouvé vide. Parmi ceux qui partaient, encore aucune nouvelle de trois Britanniques, Simon Hunter, Rod White, Peter Evans, un Américain, Anthony Lush, tous sur des monocoques classiques de moins de 11 mètres. Pour la première fois, 6 disparus dans cette course, 6 morts sur 126 engagés, un bilan pour réfléchir.